au pays des tendres mimosas, la plus jolie c'est Maria. Les étoiles de la riviera en sont jalouses et c'est pourquoi tous les gars de Marseille à Menton sont amoureux de son jupon. Oui, mais quand un galant trop pressant peut la serrer bien tendrement, en rougissant un peu, elle lui dit non, monsieur, d'un air candide. Elle reste timide, tout en baissant les yeux. En rougissant un peu, elle dit soyez sérieux, sinon mon père va se mettre en colère et punir l'audacieux. Les garçons alentour essaient toujours de lui voler un baiser. Oui, mais jusqu'à ce jour, pas un amour ne l'a vraiment troublée. Loin de ses amoureux, elle part le vent, les yeux vers la montagne. Le soleil l'accompagne en rougissant un peu. Mais un jour, garçon du pays, dans la montagne, l'a poursuivi. Et parmi les tendres mimosas, très hardiment, il l'embrassa. Maria fut tellement troublée par la chaleur de son baiser, qu'après tout, dans ses bras, elle pensa, mais ce n'est pas si mal que ça. En rougissant un peu, elle dit c'est merveilleux, toujours candide, mais déjà moins timide, dans un très doux aveu. Elle lui dit tout bas, je sais que ce n'est pas très raisonnable, mais tellement agréable, gardez-moi dans vos bras. Et tant pis pour papa, s'il ne veut pas que l'on s'embrasse vraiment. Au fond, ni vous, ni moi, n'irons, je crois, le tenir au courant. Mais quand on est heureux, ça se voit dans les yeux, et tout s'éclaire devant monsieur le maire. Ils allèrent tous les deux, en rougissant un peu.